أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc là, avant de commencer la vidéo, bien sûr, un j'aime, un partage et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc un sujet qui sera d'actualité quand il y a qu'Allah Azza wa Jal qui sait. En tout cas, on en voit les prémices. C'est une possible alliance. Ou une alliance, il n'y aura pas de possible parce que le prophète l'a annoncé. Donc une alliance entre les musulmans et Ar-Rum, d'accord, et Ar-Rum pour combattre un ennemi commun, d'accord, Adoun Mushtarak, donc un ennemi commun. Donc il reste à savoir qui sont ces musulmans-là. Beaucoup de savants disent que ce sont les musulmans qui sont avec l'imam al-Mahdi vers la fin des temps. Il reste à définir qui est Ar-Rum, avec qui va s'allier le Mahdi et son armée, et qui est cet ennemi commun, Adouun Mushtarak. D'accord, donc eh bien, il y a des divergences, donc tous les musulmans ne sont pas d'accord. Et comme vous le savez, par exemple, certains considèrent que Rum, avec lequel le Mahdi va s'allier, c'est la Russie, comme le dit Imran Hussein. D'accord. C'est pas l'avis majoritaire des gens qui sont dans l'eschatologie. Au contraire, l'avis qu'on trouvait avant dans les livres, moi je parle des livres d'eschatologie, je parle des années 90-2000, on parlait donc d'un ennemi commun qui était une sorte de bloc des pays communistes avec le chiisme. D'accord, c'était ainsi qu'était défini cet axe auquel allait s'attaquer l'imam Mahdi. Donc je trouvais cet avis à l'époque très pertinent. On n'en comprenait pas encore, on n'avait pas encore tous les paramètres. Mais maintenant, ça devient de plus en plus clair. Et en tout cas, moi, c'est mon avis. Car cet ennemi commun est cet axe russo-chiniite ou russo-siniite, sino-chiite, auquel fera face le Mahdi. Avec cette alliance qui va durer quelques années. Donc dans les hadiths du prophète sallam, le prophète ici a dit à Aouf ibn Malik pendant la bataille de Tabouk, dénombre six événements annonciateurs, donc il annonce des événements qui vont se passer, et le dernier d'entre eux, un traité de paix signé entre vous et les Bani al-Asfar, Rome occidentaux. Ça, c'est moi qui l'ai mis entre parenthèses. Ils vous prendront en traîtrise et s'uniront sous 80 étendards, sous chaque étendard 12 000 hommes. Sahel Bukhari. Donc on voit ici que les Roms avec qui le Mahdi fera une alliance, d'accord, sont aussi ici appelés, c'est très important, Bani al-Asfar. Vous verrez par la suite pourquoi c'est important. Retenez ça, que dans le Hadith Bukhari, le traité de paix ici qui est signé entre les musulmans et Roms est qualifié ici le synonyme. C'est Bani al-Asfar. Ensuite, dans d'autres hadiths du prophète, d'après Jabir ibn Abdullah, le messager d'Allah a dit, il est fort probable qu'un embargo soit fait sur l'Irak, interdisant son qafiz et son dirham, et on lui dit de la part de qui? Il dit des étrangers, donc al-Ajam. Al-Ajam, les occidentaux sont aussi qualifiés d'al-Ajam, et il est probable aussi que le Shem, Syrie, Palestine, Liban, subissent un embargo interdisant son dinar et son moud, d'accord. Par exemple, comme l'embargo sur l'Iran, la Syrie, ainsi de suite, même si l'Iran, c'est des Perses. D'où ceci, il a dit de la part de Rome, d'accord, de Rome. Puis il se tue un moment et dit, le messager d'Allah a dit, il y aura à la fin de ma communauté un calife distribuant l'argent avec largesse sans compter. Donc on sent que après cet embargo, d'accord, donc après cet embargo, il y a la venue de l'imam al-Mahdi. On sait déjà que l'Irak, l'embargo qu'a subi l'Irak, les principaux protagonistes étaient les Occidentaux. D'accord, à leur tête, les États-Unis. D'accord, ça c'est très important. Ensuite, là, on va revenir ici sur cette carte-là par la suite.
Alors le hadith dont il est question est celui-ci. Le messager d'Allah a dit, c'est tout ça, les houn ar-Rum, je vais faire un acte de paix avec ar-Rum, sulhan amina. D'accord, donc un traité de paix. Fatarzuna antum wa hum aduwan mim wara'ihim. Vous allez combattre, vous et eux, un ennemi de derrière eux. D'accord. Taslamun wa tarnamun. Donc vous allez gagner et vous aurez le butin, un butin, donc un commun. Et ensuite vous allez descendre dans la région où il y aura une grande bataille. Donc d'accord. Qui est la grande bataille d'Al-Malhama. D'accord, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet qui nous intéresse ici de cette vidéo uniquement, c'est le début, donc ce traité de paix entre les musulmans et Ar-Rum. D'accord. Donc on a vu dans le hadith de Bukhari, d'accord, que parmi les six derniers grands signes de la fin des temps, d'accord, il y aura donc ce traité de paix. Hudna takunu baynakum wa bayna bani al-asfar, entre vous et bani al-asfar. Et bani al-asfar, d'accord, indique Ar-Rum occidental, d'accord, les occidentaux. Wa mustalah bani al-asfar, donc le vocabulaire de bani al-asfar, fi urf al-arab, dans le vocabulaire des arabes, fi asr al-nubuwa, à l'époque de la prophétie, kana yutlaq ala Ar-Rum, d'accord, indiqué Ar-Rum, comme dans un hadith où on a vu Abu Sufyan se rendre voir Héraclius, d'accord. Il avait donc, il a discuté avec lui à propos du prophète, alayhi salatu wasalam. Quand il est sorti, il a dit à ses compagnons, donc il a dit que donc l'affaire de Ibn Abi Kabsha, donc c'était un surnom pour dénoncer, pour un sobriquet pour désigner le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit, a pris de l'ampleur. Innahu yakhafuhu Malik Bani al-Asfar. Donc on peur de lui, le roi de Bani al-Asfar. Donc Héraclius, Ay Herkel Malik Rum. Donc Héraclius disait, mais il y avait des photos où il avait montré la photo du prophète, as-salam, des anciens des prophètes, des autres prophètes, comme on le sait. D'accord. Donc ici, Héraclius était donc le roi de Bani al-Asfar et de Rome. Et vous allez voir par la suite qu'à cette époque-là, la Russie n'était pas dans cette Rome-là. C'était la Rome de la Rome, donc des Romains, de la Rome antique. Il dit War Rome fi urf al-Arab, et Rome dans la coutume des Arabes. Lorsque la révélation est descendue, c'est important parce que lorsque Omar Hussein parle de Rome, il sert toujours de hadith en disant que Rome, Allah Azza parle de Rome, à cette époque-là, c'était les Russes, d'accord, les chrétiens orthodoxes. Ça, c'est une erreur manifeste même. Donc, et vous allez voir pourquoi. Donc, Rome, donc ici, lorsque est descendue la révélation, Hum Nasara, Europa, c'était les chrétiens d'Europe. Les chrétiens d'Europe. Ils étaient connus pour être blonds, parce qu'on dit Bani al-Asfar, d'accord. C'était vraiment, vraiment blond. Donc voilà. Après, bien sûr, c'est pas la vie de tout le monde. Je suis pas en train de dire que c'est la vie de tout le monde. Mais moi, je vous montre ceux qui disent que Rome, c'est pas qui est Rome, que c'est les chrétiens occidentaux. Et bien sûr, vous en avez d'autres qui ne sont pas de cet avis-là, d'accord. Donc bien sûr, Allahu a'lam. Mais on essaye de montrer les arguments. Donc si on a posé la question à Cheikh Al-Maramsi, qui est Bani al-Asfar ? Donc il parle du vocabulaire de Bani Asfar avec une histoire d'un compagnon qui avait peur des filles de Bani Asfar de tomber dans la fitna, et ce qu'on vient de réciter concernant d'Abu Sufyan lorsqu'il avait visité Héraclius. Donc
يقصد الروم، ملك بني الأصفر يقصد الروم. والروم المشهور أنهم من نسل عيس بصاد ابن إسحاق، أي أن عيسى هذا أخ ليعقوب عليه السلام، عيسى هذا أخ ليعقوب عليه السلام، لكن ظاهر الأمر أنه لم يولد في حياة جده إبراهيم كما ولد يعقوب، ولهذا جاء القرآن بالنص على يعقوب وعلى أنه نبي. أما عيسى فلم يرد في نبوته شيء، من نسله كان روم الذي تنتسب إليه الروم، ويقال لهم أحيانا بنو الأصفر كما بينا. Donc là, il explique que Bani al-Asfar, ils ont une origine, et vous allez dire, c'est très important, écoutez bien, parce que donc, le prophète Ibrahim a.s. a eu deux enfants, Ismaïl, Ishaq et Isaac. Ensuite, Isaac a eu deux enfants, parmi eux, Jacob qui est Israël, et son frère qui est Ezo, Isou, donc Ezo, Ezo, celui qui donne lieu à quoi ? À Rome, d'accord, à Rome, où je crois que chez les Juifs ils disent Edom, si je ne me trompe pas. Donc Rome. Donc on voit très bien que à Rome, qui sont descendants des eaux, d'accord, et qui sont ceux qui se trouvent en Occident, d'accord, ont une origine de la famille abrahamique. Écoutez bien, c'est important, parce qu'il y a une opposition, même dans le futur, entre ceux de la descendance d'Ibrahim alayhi salam, qui sont cette élite adamique, et je parle bien sûr des gens pieux, je parle pas de... Ah, on est d'accord, et qui s'opposent, comme par exemple Isa alayhi salam. Isa est un descendant de Bani Israël, et il sera là, vers la fin des temps, en tant que gouverneur pieux, pour combattre aux côtés de l'imam Mahdi, combattre Gog et Magog. Et Gog et Magog, comme on l'a vu, ou du moins, j'en ai parlé dans mon livre, j'en ai parlé sur Patreon ici, je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, mais sont des descendants de Yafet, de Japhet, d'accord, et non pas des descendants de Isou. Les Russes slaves, eux, sont des descendants de Japhet et non pas des descendants d'Ezo. Ça, c'est très important, d'accord. C'est une information qu'il faut retenir, d'accord. Donc, il est plus logique d'avoir une alliance avec un descendant d'Ibrahim alayhi salam, d'accord, d'Ezo, même si vous trouvez dans l'Ancien Testament qu'ils disent que il y a un problème de jalousie entre Ezo et Jacob, d'accord, mais on n'a pas la même vision en tout cas de la relation entre les frères dans l'islam comme l'ont les juifs dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Vous allez voir ici que Shamseddin, Mohammed Shamseddin, va dire pratiquement la même chose. هو إسحاق ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقد تزوج صلى الله عليه وسلم من رفقة بنت بتوئيل حين كان في سن الأربعين من عمره فولدت له توأم وهما عيس أو عيسو وعيسو هذا أو عيس هو أبو الروم وكان أصفرا أصفر يعني أشقر لهذا يقال للروم بنو الأصفر وهم صفر الشعر أو شقر الشعر فهم من أولاد عيس ابن إسحاق. إسحاق. Donc là il explique, c'est une vidéo qui est courte, mais Ezo, d'accord, qui est le fils d'Isaac, était donc le jumeau de Yaqub alayhissalam, mais lui était blond, d'accord. Et c'est lui qui a donné lieu à ce qu'on appelle à Rome, donc la Rome occidentale. Ensuite vous allez voir ici l'avis de Salahdin Ibn Ibrahim, avec qui bien sûr je n'adhère pas parce qu'il fait partie de cet axe russo-chiénite, d'accord, qui est l'axe pour moi du Dajjal, mais il a des avis pertinents, d'accord. En tout cas, ce qu'il va dire, c'est quelque chose que j'avais cité et je vous ai cité tout à l'heure, qui est dans mon livre, mais lui, il y a fait attention et je trouve très pertinent ceci de sa part, même le fait qu'il considère que Dhul-Qarnayn est aussi le prophète Sulayman. Bon, ça n'empêche pas qu'il, donc je ne suis pas d'accord, mais le fait qu'il y ait des avis pertinents, ça ne m'interdit pas de les citer, d'accord, si je considère que c'est la vérité. مين اللي قائم على العقوبات؟ دير بالك الجامعة العربية مستعملة عند هذول. الجامعة العربية مستعملة عند الحلف الصليبي. قالوا للنبي ممن يا رسول الله اسمع قال من الروم. Donc là, il parle de l'embargo, comme on l'a vu dans le hadith, ils ont dit, mais de qui proviendra cet embargo? Et le prophète a dit de Rome. الروم في كلام النبي جنس اللي هو اليوم بيسموه انجلو ساكسون امريكا اوروبا استراليا. Donc pour lui, il dit que Rome aujourd'hui, c'est cette alliance anglo-saxonne,
D'accord, et dedans il met donc l'Europe, l'Australie et l'Amérique. Et les pays scandinaves. هلا لاحظ الهند والصين وروسيا برا الحصار. Et dit l'Inde, la Russie et la Chine ne font pas partie de ceux qui ont fait donc ce hissar, cet embargo. D'accord? Donc ils ne sont pas désignés par le prophète, dans ce hadith en tout cas, comme Rome, d'accord? Même tous les embargos, la majorité, ce n'est pas eux qui les ont fait. C'était pas, ils n'étaient pas vraiment motivés pour les faire. ثم سكت هنيه قال يكون خليفه من امتي يحثي المال حثيا. Bon, c'est le hadith qu'on a cité tout à l'heure, et ensuite il y aura un calife qui distribue l'argent avec profusion. Donc faire le parallèle entre l'embargo pour désigner qui est Rome, très pertinent, c'est ce que j'avais fait dans mon livre que je pouvais acheter si vous voulez, qui se trouve sous la vidéo. Ça dépend du nom que je lui donne, des fois c'est méthodologie eschatologique ou fiqh de la fin des temps, que vous achetez sur Amazon et vous comprendrez beaucoup de choses concernant les signes de la fin des temps. Là, on va écouter une vidéo de Almar MC concernant qui est Rome. ظاهر في القرآن فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ويعقوب هو إسرائيل الذي ينسب إليه بنو إسرائيل إسحاق. Donc là, il explique que Jacob et Israël, c'est annoncé dans le Coran que derrière Isaac il y aurait Jacob. عليه السلام كما كان من ذريته يعقوب كان من ذريته العيس فالعيس إذن أخ لمن أخ ليعقوب من ذرية العيس هذا كان الروم من ذرية العيس كانت الروم فالروم أبناء عمومة نزاما مع من مع بني إسرائيل. Donc là, comme vous le savez, que Aïs Ezo, donc le frère de Jacob, d'accord, a donné lieu à qui? À Rome. Rome, je crois que c'est Edom, je le dis, chez les Juifs, si je ne me trompe pas. Et donc ils sont proches, hein, ils sont plus proches les uns des autres que nous avec eux. D'accord. Donc il y a des chiires qui vont un peu dans mon sens, qui ne sont pas vraiment friands de la vie qui dit que Rome c'est russe, la Russie. Parmi eux, Cheikh Al-Mubayyad, Cheikh Mohamed Al-Mubayyad et Bassem Jarrar et d'autres qui sont plongés dans l'eschatologie depuis des années. Vous allez voir que les principaux chiires qui parlent d'eschatologie ne sont pas de la vie d'Imam Hussein. C'est pas pour autant que ça veut dire que c'est la vérité absolue, bien sûr, mais chacun apporte ses arguments. Après, chacun choisit l'avis qu'il veut, mais il faut que ce soit en connaissance de cause, sans suivre ses passions. Surtout quand c'est des avis comme ça qui auront des répercussions sur une future réalité. Donc il dit, il y a des gens qui veulent absolument interpréter l'eschatologie selon la réalité. Quand on voit la réalité d'aujourd'hui, on dit c'est fort possible, oui, effectivement, que le traité, le Helf, se fasse avec la Russie. D'accord. Mais il faut avoir une vision très générale. Parce que si vous voulez être pertinent dans la religion, en eschatologie, en théologie, ainsi, il faut avoir une vision générale. D'accord. Tous les éléments, avoir une vue panoramique si vous voulez être pertinent, d'accord, ne pas voir que d'un seul angle. Donc il lui dit non, pas du tout mon frère, on va jamais s'allier avec les Russes parce que les Russes ne sont pas à Rome, d'accord. Donc moi je suis pas vraiment d'accord avec son avis à lui, d'accord. Je pense que le prophète a désigné Rome, Zat al-Qurun, celle aux nombreuses cornes, et on a vu que on va voir, d'ailleurs je vais vous montrer, je vais le faire tout de suite même, et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas vraiment d'accord avec Bassem Jarrar. Donc si vous voyez ici, j'ai fait donc dans mon livre, le fiqh de la fin des temps, un article entier, le traité avec Rome, de paix avec Rome, bon c'est des recherches, hein. Il y a tous les arguments que vous voulez, hein, c'est historique. Donc pendant de 325, comme c'est dit, 787,
d'accord, les deux églises ont cohabité en Pentarchie, donc sur cinq patriarcats, d'accord. Donc, toute cette période-là, l'orthodoxie, ce qu'on appelle les chrétiens orthodoxes, les différentes écoles, les différentes idéologies chrétiennes, il y en a eu plusieurs, il suffit de regarder ici, ont vécu ensemble sous un même, on va dire, un même, ont cohabité en Pentarchie, d'accord? Ont cohabité en Pentarchie, et c'est qu'en 1054, et c'est important, parce que quand on parle du prophète, alayhi salatu wassalam, et de Rome, ben c'est après l'an 600, d'accord? Et donc, ce qui nous intéresse, c'est savoir qui était Rome à l'époque du prophète. Quand Dieu, dans le Coran, dit « Rolibat Rome fi adnal ard », d'accord, donc « Hum ba'di ghalabihim sayaghlibun », donc Rome va gagner après sa défaite, ainsi de suite. On sait que c'est la guerre qui a opposé donc le Héraclius avec les Perses, d'accord? Il y a eu des grandes batailles, et j'en ai parlé dans une vidéo YouTube, d'accord? Donc c'est en 1054 qu'il y a eu grand schisme. Donc ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de... On ne pouvait pas dire que les chrétiens, Rome, c'était les chrétiens orthodoxes. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur même manifeste. D'accord? C'est vraiment nier l'histoire. C'est vraiment nier l'histoire. Et en plus, si on va plus loin... Parce que oui, quand on parle des chrétiens d'aujourd'hui, vous allez me dire oui, mais il n'y a plus de religion, il n'y a plus de réalité de la foi, il y a un problème au niveau des mœurs, ainsi de suite. Oui, ok, mais il faut voir à l'époque, d'accord? Faut voir à l'époque. On parle de Rome de l'époque, et on ne sait pas comment sera Rome dans le futur. On ne sait pas comment deviendront les chrétiens occidentaux dans le futur. Vous verrez pourquoi. Donc, alors, l'orthodoxie s'installe en Russie comme religion d'État en 988, donc bien après. Du 11e au 15e siècle, le patriarcat de Moscou dépend du patriarcat de Constantinople. En 1448, l'autocéphalie, donc la dépendance de l'orthodoxie russe, est en vigueur. D'accord? Donc c'est bien après. Bien après. Donc pas à l'époque du prophète, comme certains essayent de le dire. Ça, c'est factuel. Ça, c'est factuel. Donc j'ai dit ici, il y a donc jusqu'en l'an 800 environ, un jumelage entre les deux grandes églises. Donc voilà. Vous ne pouvez pas dire que c'était Rome. Étaient les chrétiens orthodoxes exclusivement. Donc, si on veut être honnête, il y avait les deux. Il y avait les deux. Donc, et par la suite, le patriarcat a pris son indépendance, et il y a eu un transfert du patriarcat de Constantinople vers le patriarcat de Moscou. D'accord, par la suite. Et là, c'était pertinent de dire oui, que Rome, c'est les chrétiens de Russie. D'accord, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir Rome désigné dans le Coran, et en plus c'est Imran Hussein qui insiste sur ça pour dire qui était Rome à l'époque du prophète, pour ceux qui ont lu les livres de Imran Hussein. وهينا حكيت لكم القصة ها لما نزلت الآيات ما كانوش أصلا مسيحيين و988 انتبهتوا كيف ووين وين لا وأما هاي تسمية القيصر معروف بعد ما راح القيصر وانتهت اجى ايفان الرهيب هذا وكان انسان يعني ديكتاتور عنيف جدا هذا ايفان ما هو من اسمه الرهيب اه وكان سمى نفسه قيصر بس هذه ظلت ماشيه بعد ما عجبه طرس الاكبر وسمى حاله Donc il dit à l'époque, quand déjà quand Allah Azzam parle de Rome dans le Coran, les Russes, ils n'étaient pas chrétiens. مراته هاي تسميات لا اكثر ولا اقل ومرات التسميات دير بالكم يعني ممكن تجدوا بعض الدول اللي تسلم ها مثلا اندونيسيا ممكن يجي في يوم من الايام يجوا يسموه خليفه لأنه المسألة لها علاقة بالدين صارت لها صارت علاقة بالدين مش معناته هذا Donc, quand vous regardez par exemple, si vous regardez par exemple, quand on parle des Bani Israël, d'accord, vous avez des gens qui proviennent de pays, des pays du Nord, et tous les pays du Nord sont alliés dans une alliance ancienne qui est l'alliance de Gog et Magog. J'ai expliqué que ce n'est pas quelque chose d'irréversible, d'accord, c'est juste une prédisposition génétique. Ensuite, chacun choisit son camp, d'accord, mais la prédisposition génétique pour faire partie de Gog et Magog est très présente dans cette alliance des pays du Nord. Ils sont désignés dans l'Ancien Testament, désignés par le prophète Al-Sassam, qui a décrit Gog et Magog dans une description très claire qui correspond à ceux des pays du Nord, les Slaves, les Russes, sachant que les Russes sont mêlés à d'autres gènes, d'accord, que les Slaves, une énorme de mélange
entre les tribus turco-mongoles, comme vous le savez. Ça me fait penser aussi donc à ceux parmi les Ashkénazes, les Khazars, ainsi de suite, qui se sont convertis anciennement au judaïsme, qui sont pas, sont pas des descendants de Ben Israël et qui se considèrent aujourd'hui comme étant intégralement des enfants de Ben Israël. Il faut faire attention, c'est important donc de remonter les origines pour voir. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas d'origine de Ben Israël ne peut pas être se comporter comme un Ben Israël, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement qu'il a plus de prédisposition pour ne pas se comporter comme un Bani Israël. Et c'est exactement pareil pour cette alliance de Gog et Magog. Écoutez bien, c'est vraiment important. Donc une différence entre descendants de Ibrahim, de la famille d'Ibrahim alayhi salam, Ali Ibrahim, et une différence, parce que Dieu a choisi, Inna Allah astafa, Dieu a choisi Ali Ibrahim. Et Ali Imran al-Alamin, d'accord? Contrairement à ce que disent les Juifs, parce que les Juifs considèrent que Al-Istrifa, cette élection est exclusivement jacobienne, et ça c'est vraiment une erreur, ça c'est une injustice façon exactement comme leur comportement actuel, d'accord? Mais il y a une différence entre la descendance de Japhet et cette descendance, tout en sachant que la descendance de Japhet est désignée dans l'Ancien Testament et dans la Torah. Mais quand il s'agit des Arabes, on ne lit pas ce qu'il y a dans la Torah, mais ça arrivera un jour, les gens des fois comprennent les choses par la souffrance. C'est comme ça que les gens des fois comprennent la vérité, des fois la vérité, la lumière leur parvient comme ça une fois que ils ont un peu souffert. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors lui, ce shir, c'est un peu comme Bassam Jarrar qui dit carrément que bon, les Russes, lui il fait que ça, l'eschatologie, il en fait tous les jours, il fait que ça. On peut pas dire qu'il connaît pas l'eschatologie, il fait que ça. Après, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Il se base beaucoup sur des hadiths qui sont daïfs, mais lui, concernant le fait que les Russes soient Roum, il est contre. Il considère que c'est des descendants de Japhet et que ça n'a rien à voir avec les Roum occidentaux. عندما نقول أن الروم هي الدولة الشرقية لا يعني أننا نقصد الروس ولا نتكلم عن دين أيضا بل نقصد الروم اللي جاءوا من الغرب يوم من الأيام وبنوا مدينة في الشرق باسم ملك من ملوكهم اللي هو قسطنطين وأصبحوا الروم الشرقيين Donc, lui explique que quand on parle de chrétiens d'Orient, ça ne veut pas dire qu'on vise les Russes, mais on parle simplement de chrétiens qui étaient occidentaux, qui sont déplacés pour faire la ville de Constantinople, d'accord? Qui étaient ces Byzantins. Donc, c'est très important, ça aussi, de voir les origines, d'accord? Après, c'est pas un statut définitif, je vous l'ai dit, c'est juste une prédisposition. لكن أصولهم غربية. من الروم ليسوا من العرق السلاف ولا الصقالبة ولا الروس بل كانوا جيرانهم وهؤلاء هم الترك طيب Donc voilà, donc il dit c'est ni des Slaves ni des Turcs, ainsi de suite, c'est des Occidentaux à l'origine. بل يقول المؤرخون بأن قبائل الآفار والسلاف اللي هم ترك يعني الروس قال كانوا من حلفاء الفرس ضد الروم في ذلك الوقت ولا علاقة لذلك بالكنيسة لا شرقية ولا غربية يعني لا كاثوليك ولا أرثوذكس Et même qu'à la base, les Russes, les Slaves, ainsi de suite, étaient les ennemis des Byzantins, d'accord, des chrétiens de Byzance, étaient leurs ennemis, ils s'opposaient avec eux, ils n'avaient rien à voir avec la chrétienté. C'est ce que dit aussi Bassam Jarrar. كل هذا جاء فيما بعد. طيب إذا بعد أن انقسمت إمبراطورية الرومان إلى قسمين، إمبراطورية شرقية قسطنطينية وأخرى غربية. قلنا عام 395 ميلادي. أصبحت القسطنطينية الآن هي العاصمة الرئيسية لإمبراطورية الرومان الشرقية البيزنطية. طيب كل هذا ليس له علاقة بمسألة الكاثوليك والأرثوذكس، ليش؟ لأنه أصلا المسيحية إذا كانت قد دخلت إلى الإمبراطورية الرومانية في القسطنطينية عام 636 ميلادي لما تبناها قسطنطين، فإن المسيحية لم تدخل إلى بلاد روسيا إلا في عام 988 ميلادي، يعني بعد 650 سنة. Donc il dit voilà, donc ça n'a rien à voir quand on parle de chrétienté entre catholiques et orthodoxes quand on parle de la Russie, parce que comme on l'a dit, la Russie, la chrétienté n'est parvenue en Russie qu'en 988. Donc voilà, il redit la même chose en fait de tout ce qu'on a dit. Donc voilà, vous pouvez après revenir voir ces vidéos si vous voulez, ou si vous voulez, si ça vous intéresse, on peut faire un décryptage d'une des vidéos que vous avez vues ici, il suffit de me dire dans les commentaires. Donc on nie pas la pertinence du cheikh Bassam Jarrah concernant l'eschatologie, surtout avec sa théorie sur 2022.
On a vu qu'il avait tout à fait raison. Même, ça a même été confirmé par Biden. Vous voulez quoi de plus lorsqu'il a parlé de cette invasion en Ukraine en disant que c'est le début de l'Armageddon. Il a cité carrément Armageddon. Armageddon. Alors qu'Armageddon a été, c'est les guerres de Gog et Magog. C'est les guerres futures. C'est pas les Malachim, c'est pas pareil. Même des musulmans confondent. يتسموا القيصر. طيب جيد. لما نزلت الآية غلبت الروم في أدنى الأرض كانت 619 ميلادي. لعلمكم 619 والروم كانوا إيش؟ الروم كانوا مسيحية. 600 وقديش؟ 19. طب متى تبنى الروس المسيحية؟ Donc là il explique hein, lorsque le Coran est descendu le verset غلبت الروم, d'accord? Que c'était en l'an 619, d'accord? En l'an 619, et il dit, mais quand la chrétienté est venue, quand les Russes sont devenus chrétiens? Il dit, c'était en 988 de notre ère. Il dit, voilà, ce ne sont pas Rome. هاي أول قضية مش روم. إذا وين تعرفوا المسيحية الروس؟ 988 لما نزلت الآية هاي غلبت الروم في أدنى الأرض. كان الروم معظم من هم ضمن سلطان الروم شو كانوا؟ مسيحيين نصارى. وقلنا إنهم تبنوا النصرانية في القرن الرابع. قسطنطين تبناها كإمبراطورية. حدود اللي توفى. Donc les chrétiens, à cette époque, l'époque du prophète, étaient des Romains qui se sont convertis au christianisme, d'accord? C'est connu, surtout avec Constantin qui a adopté donc les certaines thèses, surtout pauliennes, de la chrétienté, de Paul, avec la Trinité, ainsi de suite, entre l'an 325 avec le concile de Nicée. Il a dit, طيب, الروس, معروف الروس وانت دخلوا المسيحية, متى 988 ميلادي أي واحد اثنين ما شفتش حدا من المؤرخين يقول مؤرخين مش أما هذا في الإنترنت اليوم وبعض الناس اللي قاعدين يعني بيحاولوا يطبقوا بعض النبوءات على خاطرهم بطريقتهم بيهمهم مش تاريخ ومش تاريخ وتحقيق ومش تحقيق ممكن تقول لك الروم خلص الروس خلص ونقتنع أن الروس مش صحيح الآن اثنين ما أحد من المؤرخين قال أصلاً الروس هم روم. هذول سلاف. Donc là, il explique, voilà ce qu'on a dit, ce que dit aussi l'autre cheikh aussi, c'est que à la base, aucun personne a dit que les Russes étaient des Romains, d'accord? Les Russes sont des Slaves, d'accord? Et leur conversion était vraiment tardive en 900, l'an 988. Donc là, on se répète, mais c'est pour vous voyez bien les avis. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de la même vidéo, est-ce que je vais me répéter, on va écouter ou quelque chose d'autre. Donc il dit quelque chose de très important. Il dit qu'il ne faut pas essayer d'appliquer donc, le hadith du Prophète sallam à notre l'actualité, à ce qui se passe en ce moment. D'accord, ça c'est une erreur. Beaucoup prennent des hadiths et veulent absolument les transcrire sur une réalité actuelle. Alors qu'on sait très bien que l'eschatologie elle s'étend sur depuis le Prophète. En fait, les signes de la fin des temps ont commencé. C'est, ça ressort dans le hadith que l'un des premiers signes, c'est déjà la mort du prophète, alayhi salam. Donc, il faut avoir une vision lointaine et savoir que les choses, elles changent. D'accord ? Donc, effectivement, il y a un grand problème avec l'Occident, d'accord ? Que c'est
impossible actuellement qu'il y ait ce traité de paix entre les musulmans et les occidentaux, parce que justement les occidentaux sont du côté de l'État d'Israël, comme vous le savez. Et il y a un problème au niveau du combat contre l'islam, de l'athéisme, des mauvaises mœurs, ainsi de suite. Donc on n'est pas actuellement dans cette configuration. Et ça, c'est très important ce que dit Bassem Jarrar, parce que vous allez comprendre que, d'après mon avis, Ar-Rum, qui va s'allier avec Al-Mahdi, on parlera de ça par la suite, on écoutera, après je vous donnerai mon avis par rapport à ça. Mais c'est très important ce qu'il dit Bassem Jarrar, comprenez-le, que les choses, elles changent, d'accord ? يعني في ناس بظنوا إنه الأمور اللي بتحصل اليوم هاي خالدة. لا. Donc les gens pensent qu'il se passe en ce moment c'est éternel. Non, les choses elles changent très vite. Les personnes qui t'entendaient pas hier, demain, bah, tu peux t'entendre avec eux. Et c'est ce qui s'est passé par exemple avec la Russie et la Tchétchénie. La Russie a combattu la Tchétchénie pendant des années. Pourtant maintenant les Tchétchènes combattent et deviennent le bras armé de qui ? De Poutine, au service de la Russie. Il meurt au service de la Russie. Regardez comment les choses ont changé en quelques... En quoi ? Même pas une décennie. ما بقدر يكون له أي تحالفات ظالمة ولا يجوز له بأي حال إلا يكون مع الضعيف المستضعف المظلوم. Donc il dit voilà, mais c'est une question d'être du côté de la vérité et du côté, ne pas se mettre du côté de l'injustice. Donc c'est vrai pour l'instant à côté. Pour l'instant, il peut pas y avoir un traité actuellement avec ce traité entre le Mahdi et les Occidentaux ne peut pas être actuel, ça c'est sûr et certain. D'accord ? Ça faut bien le comprendre. Ensuite, vous avez un autre cheikh aussi, docteur Mohamed Al-Mas'ari, qui parle des questions aussi de théologie. Et quelqu'un lui pose une question, on va écouter. Il demande c'est quoi la question ? Est-ce que Rose fait partie de Rome ? Et lui dit oui, sûr, il n'y a pas de kalam, il n'y a pas à discuter. Donc il dit oui, parce que l'orthodoxie russe, d'accord, est la continuité du patriarcat de Constantinople, d'accord, de l'orthodoxie qui se trouvait à c'est la continuité, d'accord. Donc c'est pour ça que moi c'est mon avis aussi que une partie de la Russie, pas toute la Russie, parce que Poutine en fait c'est pas vraiment un chrétien orthodoxe, c'est plutôt autre chose, d'accord, plutôt un ésotériste qui n'a rien à voir avec l'orthodoxie, de toute façon. Mais une grande partie de la Russie sont des chrétiens orthodoxes, ça on peut pas leur enlever, ça c'est ça aussi c'est une réalité, faut pas être non plus injuste. بالضبط يقول وليت الكنيسة القسطنطينية من تسمية روم تقتصر على الغرب فقط لا 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 مش تقتصر تتوسع الغرب كله لكن الحد الأدنى لها الروم اللي كان عندنا بصراحة اللي غلبت الروم هو البطالية يسموها ناس بيزنطية بالمناسبة كانت تسمى نفسها البطالية البيزنطية إلى أن سقطت واسمها البطالية الرومانية يسموا أنفسهم يعتبرون نفسهم رومان بعد ذلك صاروا يسموهم عشان يميزوهم عن الرومانية الغربية في روما والجرمانية اللي هي دوك لا يليكسبيك attendez, qu'est-ce qu'il a dit déjà ? Donc là, il lui dit oui, est-ce que Rome est restreint uniquement aux Occidentaux ? Et lui, il dit non. D'accord ? Il lui dit non, il dit que au début, c'est les Occidentaux, comme on l'a su, c'était des Romains, se considéraient être l'Empire de Rome, d'accord ? Mais par la suite, c'est devenu à Constantinople, c'est devenu Byzance, d'accord ? Mais il dit, c'est pas restreint, en fait, la chrétienté n'est pas restreinte uniquement aux chrétiens d'Occident, d'accord. Quand on sait que par la suite, il y a eu la chrétienté s'est scindée en deux entre celle qui se trouvait à Rome et celle qui se trouvait à Constantinople. Il y a eu même des guerres entre les deux. Alors on va écouter un autre avis différent, d'accord. Mais quelqu'un, voilà ici, qui interprète l'eschatologie avec une certaine retenue, en se basant sur la réalité actuelle. اوروبا وروسيا تقودها روسيا. فاللي احنا شايفينه حاليا من تحليلنا مثلا اللي حاصل في
في حرب غزة وغيره، نجد أن أمريكا والغرب اللي معاها اللي هم الروم الغربيين، لا هم جايين في صف اليهود وبيحاربوا المسلمين. Donc il dit aujourd'hui qu'on voit sur ce qui se passe surtout à Gaza que l'Occident, la chrétienté d'Occident, d'accord, avec les Américains se mettent, parce que dans les Américains il y a des protestants, il y a les évangélistes, d'accord, tous ceux qui se basent souvent beaucoup sur l'Ancien Testament, d'accord, et sur l'importance, comme on l'a dit, de la grande Israël pour la descente, pour la parousie, la descente de Issa, fils de Marie, d'accord. Il y a plein de vidéos comme ça où vous avez des grandes personnalités américaines qui s'expriment en ce sens, d'accord. Ils disaient même si l'État d'Israël n'existait pas, on l'aurait inventé de force, d'accord, parce qu'ils ont des textes. Donc quoi qu'on en dise, qu'ils soient religieux ou pas, beaucoup de politiques agissent en se basant sur des textes religieux, surtout aux États-Unis. À l'époque, Bush, eh ben, il lisait la Bible le matin, même si ce n'est pas quelqu'un de religieux, mais c'est comme ça. D'accord ? Donc c'est vraiment présent dans l'esprit de beaucoup, par exemple, d'Américains. Donc il dit qu'on regarde aujourd'hui cette alliance, elle est du côté d'Israël, dans notre réalité actuelle. وبيقفوا مع الظلم والعدوان، بينما هتجد روسيا مثلا لا هي بتحاول تكون محايدة وبتقول ان الاسباب اللي حاصل ده ان ما فيش دولة للفلسطينيين وان في استيطان وان فيه مشاكل المتسبب فيها الجانب اليهودي لاجل هذا الصراع سيظل موجود، فكلامها متوازن. Donc il dit, quand tu vois l'opinion de la Russie qui a une opinion équilibrée, elle est plutôt neutre, et elle dit voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que les Palestiniens n'ont pas un État, parce qu'il y a de la colonisation, il y a une injustice de la part de l'État d'Israël. Ça, c'est connu, c'est une déclaration actuelle de Poutine. عكس الروم الآخر. فمن هنا ممكن نقدر من الأحداث اللي حصلت دي نقدر نستنتج إنه الإمام المهدي والخلافة بتاعته مين الروم اللي هيكون فيه صلحا آمنا يبقى هو الروم الشرقيين هم المرجح. Donc on dit, voilà, si on se base sur la réalité actuelle, et ça c'est l'erreur qu'a fait Imam Hussein et d'autres, il dit on peut en déduire que l'imam Mahdi, donc déjà il faudrait dire quand, le problème de savoir quand l'imam Mahdi va venir, et si l'imam Mahdi est là, il va être du côté, il va être avec qui, d'accord, avec les sectes, c'est un gros problème. Donc il dit que le plus logique c'est que l'imam Mahdi soit allié justement avec cette alliance, donc ces Roms orientaux, d'accord, surtout ceux de Russie. يعني من التحليل الحالي الموجود ربما تتغير الأمور بعد ذلك، لكن فيما يظهر أمامنا حاليا من تحليلنا للوضع هو الأقرب للتحالف هنا اللي هم الروم الشرقيين اللي هي بتقوده روسيا حال اللي هو محور الشرق هتبقى المحور الغربي اللي بتقوده أمريكا هتلاقي. Donc là il parle de c'est possible que donc le Mahdi se mette, il a bien dit محور الشرق, donc cet axe de l'est, dans l'axe de l'est prenez bien en compte, donc c'est pour ça qu'il faut bien savoir de quoi on parle. La Russie n'est pas seule. La Russie, c'est une alliance. Si vous vous mettez du côté de la Russie contre l'alliance occidentale, vous aurez de votre côté l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, ainsi de suite. Il faut bien vous mettre ça en compte. Sachant que déjà, que ce soit la Chine ou la Corée du Nord, il n'y a pas de descendance abrahamienne, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de croyance en Dieu, il n'y a rien du tout. Que ça soit bien clair. Ça, il faut pas... Il faut dire les choses. إن هو بيبتعد عن العالم الإسلامي قد يكون مسيطر على الحكومات الإسلامية وفارض سيطرته عليها، لكن الشعوب العربية والإسلامية رفض كل ده، رفض كل اللي حاصل ده، فالحكام في جانب والشعوب في جانب آخر. فالحديث هنا والنبوءة دي والأثر ده والخبر ده يبقى لما يجي ندرسه يبقى يتحقق من هذه الجانب. وحاليا طيب في صراع بين الروم الشرقيين اللي هي روسيا والروم الغربيين اللي هم ايه امريكا، يبقى الصراع ده معنى كده ان الصراع ده هيحتدم، فكل طرف من الطرفين عايز مناصرين ليه ومؤيدين ليه، يبقى هنا ممكن التأييد اللي هيكون للعرب والمسلمين في وقت الامام المهدي يكون مع الطرف ده، ومش معنى كده انه ممكن بعد كده ما تقومش حروب بينهم، لا ممكن. Donc pour lui, c'est clair, c'est l'avis d'Imam Hussein, que là, il y a donc une altercation entre deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, la Russie contre les Américains, d'accord, pour faire simple. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a aussi la Chine, et c'est surtout la Chine qui fait peur aux États-Unis, surtout avec Taïwan, et la route de la soie, ainsi de suite. Et donc il dit que c'est fort possible que donc l'imam Mahdi se mette du côté donc, de ce bloc de l'Est,
de la Russie contre donc les États-Unis. Voilà, donc c'est son avis, c'est l'avis de beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ne comprennent l'eschatologie qu'avec une vue restreinte, sans se baser sur le fil historique et tout ce qui pourrait se passer dans le futur, d'accord, en prenant en compte beaucoup de choses. Donc mon avis concernant ce hadith, donc vous allez combattre donc un ennemi commun. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui peut pousser donc Ar-Rum à parce que dans le hadith il dit ça tout ça les hukum Ar-Rum. Donc c'est les Roms qui vont faire un traité de paix avec vous. C'est comme si c'est eux qui allaient solliciter ces traités de paix, qui en ont besoin. Qu'est-ce qui pousse les Occidentaux à faire les Bani al-Asfar un traité de paix avec les musulmans, d'accord, qui est Ishmaïl et sa descendance pour les juifs. Qu'est-ce qui les pousse? C'est que cet ennemi, pour eux, est trop fort. Ils ont un problème, d'accord, ils n'arrivent pas à faire face à cet ennemi-là. Donc c'est pas, comme certains disent, un petit pays, je ne sais pas quoi. Il y en a, ils te parlent, il y en a, ils disent que c'est l'État d'Israël, il y en a, ils disent que c'est d'autres pays. Non, c'est pas, ça ne peut pas être ça. D'accord, les Occidentaux peuvent faire face à l'État d'Israël. C'est, s'ils sollicitent les musulmans, c'est qu'ils sont dans une impasse, d'accord. Ça veut dire que, et ça veut dire déjà que ceux à qui ils font face, ce n'est pas les musulmans sunnites, pour faire une alliance avec eux. Donc, pour moi, le plus logique, c'est que c'est pas que la Russie, d'accord, parce que ce n'est pas assez puissant, mais imaginez-vous que suite, par exemple, à ce qui se passe aujourd'hui, c'est une possibilité, ou par la suite, dans la même configuration, une troisième guerre mondiale, d'accord, ou un début de guerre, où cette alliance occidentale, donc américaine, européenne, ainsi de suite, se ramasse littéralement une raclée, une treha, comme on dit, de la part de cet axe russo-chinite, parce que la Chine aussi va s'en mêler, même pas d'une manière directe, comme elle le fait toujours, d'une manière passive, indirecte, comme l'Iran d'ailleurs. Donc imaginez-vous qu'ils perdent face à cet axe-là. Ça a pour conséquence, qu'est-ce que ça va faire déjà? Ça va remettre en cause beaucoup de choses dans l'idéologie des Occidentaux, se dire peut-être qu'il faut qu'on revienne sur des bases un peu plus solides, un peu plus liées à la morale, à l'éthique, ainsi de suite, d'accord. Aussi, peut-être, comme il y en a, ils disent que c'est fort possible que cette guerre aura pour conséquence qu'ils vont changer beaucoup de choses, revenir sur leur principe de la laïcité, ainsi de suite, et se rapprocher de plus en plus de la religion. Peut-être aussi que tous ceux qui ont poussé les Occidentaux vers cette guerre-là, eh ben, vont dégager ces élites-là, qui sont les élites qui ont propagé autre chose que la religion. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire c'est vous la cause de notre défaite. Ils vont aussi se dire qu'on s'est embourbé dans une guerre qui n'est pas la nôtre à cause de l'État d'Israël, faire en sorte qu'ils vont s'éloigner de l'État d'Israël et se dire en fin de compte peut-être que notre ennemi, c'est pas les musulmans, c'est pas l'islam. D'accord? L'islam, je parle de l'islam sunnite et non pas l'islam chiite qui fera face à cet axe occidental. D'accord? Donc suite à cette guerre-là, et ça ne va pas se faire bien sûr en un jour, deux jours, mais par les conséquences de cette guerre-là, du fait qu'en face, ils auront un axe plus puissant qui gagnera, d'accord? C'est le soleil qui change de pôle. Et à ce moment-là, les Occidentaux décident, d'accord, malgré eux, d'accord, c'est comme disait par exemple l'imam Khomeini quand il a fait la paix, avec l'Irak, disait que cette paix c'est comme boire du poison. Peut-être que ce sera pour eux boire du poison de se mettre du côté, de faire un traité de paix avec l'imam Mahdi, mais en tout cas ce sera dans leur intérêt, mais aussi dans l'intérêt de l'imam Mahdi, car cette paix se fera sûrement avec un apport logistique, avec beaucoup de choses, d'accord, avec sûrement de l'argent qui sera donné à l'imam Mahdi, qui lui permettra justement de distribuer cet argent-là, comme c'est dans les hadiths, de le distribuer à profusion, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils n'auront pas le choix de toute façon, et ce sera, ils seront obligés de s'allier aux musulmans, malgré eux, même s'ils n'en ont pas à envie, parce que c'est soit ça, ou soit ils disparaissent, leur hégémonie disparaît complètement. Et ça, ils n'en ont pas envie, d'accord, ils n'en ont pas envie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Américains interviennent de manière très timide dans le conflit et ne s'attaquent même pas à l'Iran, sachant qu'ils savent très bien que l'Iran est derrière aussi en partie les attaques qui sont passées dernièrement en Israël. Donc voilà, donc ça c'est mon avis.
Donc ne vous fiez pas sur la réalité actuelle. Et vous verrez de toute façon par la suite, hein, mais Allah alam, la vérité est auprès d'Allah Azzawajal, mais je pense que c'est la ville plus pertinente. Puis ensuite de dire qui est réellement cette partie de Rome, parce que le prophète l'a qualifié de Dhatil Qurun, celle aux nombreuses cornes, c'est pas impossible en vérité dans l'absolu que ce soit la Russie, mais j'en doute, vu ce que je vous ai dit, vu leur ascendance génétique de Japheth, mais je pense plutôt que ça va se passer, cette alliance, face à un camp en réalité qui reviendra vers leurs origines génétiques de Japheth, de Gog et Magog, et que ça correspond aussi au texte de la Bible, que cette alliance se fait dans l'enceinte même de la famille d'Ibrahim alayhi salam, d'accord? Dans la descendance d'Ibrahim alayhi salam. Mais avec qui exactement? Est-ce que c'est l'alliance anglo-saxonne? C'est possible. Est-ce que c'est l'alliance anglo-saxonne plus d'autres pays d'Europe latine, ainsi de suite? Ça, c'est possible aussi. Allah alam, c'est pas, ça c'est les détails. Mais d'une manière générale, c'est la chrétienté, on va dire, occidentale. Ça, c'est mon avis. De toute façon, on verra avec le temps. Mais en plus, les gens pensent que voilà, ça peut être tout de suite. Je pense pas que ça va se faire tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui, on est juste dans les prémices et qu'on est encore dans les étapes de la promesse dernière qui a commencé en 2022, comme l'a dit Bessem, Jarrar Wa'dul Akhira. D'accord? Wallahu alam. Wallahu alam. On verra ce qu'il en est, mais voilà, c'est mon avis. Si vous êtes d'accord, ben, dites-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Chez Kanapou, qui ne sont pas d'accord avec cet avis-là, ben, donnez vos arguments. Il n'y a pas de problème avec ceci. Je vous remercie de votre écoute. Salam à tous. N'hésitez pas à mettre un j'aime, c'est important pour l'algorithme.